Thank you. Math, à des maths, mes chers auditeurs, je suis le Marweiler, et cette fois-ci j'aimerais vous lire un texte d'une importance capitale, aperçu doctrinal du nationalisme breton, édité par le Parti national breton en 1930. Bien qu'il ait de l'âge, puisqu'il a été écrit il y a un siècle, en effet sa première édition date de 1925, ce texte est toujours remarquablement d'actualité, tant dans l'exposition des réalités qu'il propose que des revendications qu'il a pour la Bretagne. Sans plus attendre, je vous propose donc de découvrir avec moi ce texte. Le nationalisme breton, aperçu doctrinal. La Bretagne est une nationalité authentique. Elle a le droit de disposer librement de son sort. Son intérêt est de mettre fin au régime français qui s'est toujours montré néfaste et contraire à ses aspirations, et de revenir à ses traditions ethniques propres. Ses revendications sont dictées par des faits modernes. La politique nationaliste qui les soutient s'affirme dans la tradition politique de la nation bretonne. Elle tire profit de l'expérience de 15 siècles d'histoire. Les origines nationales. La Bretagne a un passé de nation. Elle est née d'événements étrangers à la formation de la nationalité française. Alors que la France doit sa figure moderne aux conquêtes romaines et franques, la Bretagne la doit à l'occupation, l'assimilation et l'organisation de l'armorique gallo-romaine du 4e au 9e siècle par les immigrants venus de l'île de Bretagne sous la conduite de leurs chefs spirituels et politiques nationaux. Les Bretons firent de l'armorique la Bretagne. Ils y apportèrent des institutions sociales et religieuses originales, une langue, une littérature, et surtout une conscience nationale nouvelle. Ils bâtirent sur le flanc de cette Gaule franque qui n'était pas encore la France, une petite nation fortement caractérisée, s'apparentant étroitement au peuple de Galles et de Cornouailles d'Outre-Manche. Sans leur venue, notre pays ne serait aujourd'hui ni plus ni moins qu'un Maine ou un Poitou, une province française. Du IVe au XVIe siècle, la Bretagne resta un État souverain jouissant d'un statut politique indépendant qui lui assurait la paix et la prospérité en lui permettant de se tenir à l'écart des rivalités de ses voisins. Sa politique traditionnelle, au cours de mille ans d'indépendance, fut toute de résistance aux entreprises de conquête françaises et anglaises. En tenant tête aux prétentions étrangères, nos rois et ducs ne faisaient qu'obéir aux voeux formels du peuple breton de rester libre. Aux heures de danger, toute la Bretagne, oubliant ses divisions, faisait bloc derrière eux. Quand la France, par la force des armes, eut réussi à incorporer la Bretagne au royaume, la duchesse Anne sut assurer par ses successifs contrats de mariage avec deux rois de France son autonomie à l'intérieur du cadre français. Les libertés bretonnes furent solennellement sanctionnées en 1532 par le traité d'union à Vannes. La Bretagne, de l'Union à la Révolution, conserva ses libertés comme pays d'État et province réputée étrangère, malgré les tentatives incessantes des rois de France de les lui ravir une à une, par la ruse, la force ou le chantage, au mépris de la parole donnée. Elle le dut au patriotisme de sa représentation nationale, qui défendit la Constitution par tous les moyens, allant de la protestation écrite jusqu'à l'insurrection armée. Le droit historique. L'autonomie bretonne fut emportée par la Révolution française et le régime unitaire imposé à notre pays par des moyens militaires. D'autres peuples situés en bordure de la France, les Pays-Bas, l'Helvétie, la rive gauche du Rhin, se virent également réunis de force à la République, puis à l'Empire, sans être plus que la Bretagne consultée, mais eurent sur elle l'avantage d'être libérés par le Congrès de Vienne. Le traité d'union de 1532, qui constituait la charte des rapports franco-bretons, était un contrat bilatéral ne pouvant être rompu que par le consentement des deux parties. Or, les États, seule représentation qualifiée du peuple breton, ayant refusé de prendre part aux États généraux du royaume de France en 1789, pour ce motif que les États de Paris n'avaient pas à légiférer pour la Bretagne, ne souscrivirent pas aux abandons de la nuit du 4 août. Les quelques députés bretons, qui y figurèrent à titre individuel, ne votèrent l'abrogation du traité de Vannes que sous la réserve de l'approbation ultérieure des États. Cette approbation ne fut ni sollicitée ni donnée par la suite. Le peuple breton avait d'ailleurs unanimement exprimé son attachement aux vieilles libertés dans les cahiers de revendication des paroisses. Il en résulte que l'annexion de 1789, qui supprima jusqu'au nom et prétendit anéantir jusqu'au souvenir de la Bretagne, constitue un coup de force. Elle brise par cela même le contrat d'union et rend légalement et en conscience la Bretagne à la libre disposition de soi. Elle légitime juridiquement le nationalisme breton. La nationalité. La Bretagne n'aurait elle jamais été indépendante autrefois, qu'elle n'en posséderait pas moins les caractéristiques d'une nationalité telle qu'on entend ce mot aujourd'hui, c'est-à-dire non pas un État aux frontières délimitées et au hasard, des alliances dynastiques et des guerres, mais une famille humaine homogène, un organisme économique traditionnel, une patrie naturelle. La Bretagne en effet forme un tout physique et humain essentiellement distinct, en dehors de l'unité française, en marge de la civilisation latine. Renfermé dans une entité géographique parfaite et prédestiné par la nature à une vie indépendante, son peuple par son langage national proche du gallois et de l'irlandais, par son caractère bien tranché, les aspects de sa vie sociale et économique, son activité artistique et intellectuelle propre, son patriotisme fait, à l'intérieur des frontières françaises, figure de nation. Le folkloriste, le musicien, le linguiste, le poète, le voyageur et le sociologue, après l'historien et le géographe, fournissent des témoignages qui en attestent. S'il faut une preuve de la nationalité bretonne, on la trouve dans l'existence d'un sentiment national breton exclusif de tout autre, sinon d'une plus large conscience de l'humanité, et dont les manifestations n'ont fait que se multiplier et s'accentuer en netteté au cours des 19e et 20e siècles, pour aboutir au geste historique de la destruction du monument symbolique de l'Union, à Rennes le 7 août 1932. Malgré les circonstances défavorables qui ne lui ont pas toujours permis de s'exprimer formellement, le génie breton, qui est du type nordique, se distingue foncièrement du génie néo-latin de la France. Il est manifesté au cours des siècles dans nos anciennes institutions, dans les péripéties de notre histoire, dans la vie et les œuvres de nos grands hommes. Il a laissé les monuments impérissables de notre civilisation paysanne et de notre architecture, mais nulle part mieux que dans la langue bretonne, ce génie qui se porte aux extrêmes avec la même prédilection que le génie français, s'en tient écarté, ne se manifeste. Le celtique armoricain, par la nature même de ses ressources morphologiques et syntaxiques, étrangères au génie des langues latines, manifeste qu'il est l'œuvre d'une intelligence qui n'est ni latine ni française. La Bretagne, enfin, est une, malgré son dualisme linguistique, par son sol, son climat, son type humain. Elle est une surtout par la conscience, la volonté et l'orgueil qu'ont ses fils, jusqu'à l'extrême limite de ses frontières historiques, de lui appartenir. Le droit naturel. Admettre une nation bretonne, c'est admettre que les Bretons sont seuls qualifiés pour en prendre charge. La Bretagne, comme toutes les autres nations, a le droit de jouir d'une vie collective autonome. Ce droit est à la base de tout l'ordre politique moderne. On ne peut pas lui refuser ce qu'on accorde au Libéria, à l'Estonie ou au Guatemala sans commettre une injustice et sans lui faire insulte. C'est aussi son intérêt de s'appartenir en propre. Car l'abandon de sa tradition ethnique au profit de la culture latine, le dédain de son idiome national en faveur de la langue française, la remise qu'elle a fini par tolérer de tous ses intérêts entre les mains d'une administration obéissant à des directives étrangères, ont eu pour résultat de mettre fin à son ancienne prospérité et d'abaisser sa valeur humaine. L'examen des faits ne permet pas d'en douter. Le régime français L'incorporation de la Bretagne au Royaume de France eut pour premier effet de la mettre en guerre avec Anglais et Hollandais qui s'acharnèrent à ruiner son commerce extérieur. L'indifférence de Paris à l'égard des choses de la mer aidant, il s'ensuivit une décadence progressive de notre flotte, de nos ports et de notre négoce du XVIe siècle à nos jours, complétée par l'anéantissement de nos industries insuffisamment protégées au XIXe siècle. On s'applique d'un autre côté, depuis l'annexion, à faire oublier ses origines au peuple breton, à lui inculquer le mépris de sa langue et de ses manières de vivre et de penser. On le mêle arbitrairement à la vie d'un peuple voisin, dont l'influence achève de le désorienter et le démoraliser. Comment s'étonner, dans ces conditions, que tout ce qui demeure encore de l'unité, de la force et de la beauté de la Bretagne s'en aille, de nos jours, morceau par morceau c'est que la perte d'un gouvernement breton n'a été compensée par rien. À un État national s'inspirant uniquement des besoins du pays, et ayant des comptes à rendre à la population, car la Bretagne des ducs était une monarchie parlementaire, s'est substituée une administration étrangère, indifférente au mécontentement des administrés, relevant d'un État dont les institutions ne prévoient pas, le cas de la Bretagne on est obligé de constater que l'organisation unitaire de la France lui interdit de tenir compte des aspirations particulières de l'esprit breton et des exigences, des intérêts spéciaux de la presqu'île armoricaine. Elle ne leur permet ni de se manifester ni de se défendre. Elle les combat même ouvertement lorsqu'ils s'opposent aux siens. Il est donc logique que le nouveau régime œuvre à la désagrégation de la Bretagne, lui impose des lois contraires à ses vœux et l'entraîne dans des aventures où elle n'a rien à gagner. Il ne pouvait en être autrement. La Bretagne par sa position excentrique n'offre pour le pays qu'il administre depuis 143 ans, à l'heure où ce texte a été écrit, et dont les artères de vie la contournent sans la pénétrer, que l'intérêt qu'on accorde à une zone géographique stratégique ou à une colonie d'exploitation. La France n'a jamais fait que demander à la Bretagne des hommes pour son armée et sa flotte et depuis sa crise démographique de la main-d'œuvre à bas salaire, elle ne s'est jamais souciée de favoriser par des lois appropriées l'industrie, le commerce et le développement intellectuel de ce peuple travailleur et honnête de plus de 3 millions d'hommes 4 maintenant dont elle ignore officiellement le nom et pratiquement l'existence. Elle ne s'est pas davantage préoccupée de le faire bénéficier d'un développement moderne et des gains de l'activité française. Il est une dramatique et concrète illustration de ces vérités. La Bretagne a perdu la Première Guerre mondiale, plus que toute région, plus que toute nation. La moyenne de ses tués est d'un habitant sur 14, alors que pour la France, il est d'un sur 28. Aucune reconnaissance ne lui a été montrée de sa participation dominante à la victoire française aucune de ces légitimes revendications n'a même été prise une seule fois en considération les bretons qui ont versé leur sang pour que chaque peuple reçoive l'instruction dans sa langue maternelle n'ont pas pu obtenir de la la france que la leur cesse d'être impitoyablement proscrite tel est le fruit de la méfiance et de l'hostilité que nourrit le gouvernement de paris à l'égard d'un peuple dont l'âme lui échappe et dont il ne cesse de redouter le terrible réveil sans l'effort des Bretons eux mêmes, dont l'admirable essor agricole et social a surtout, depuis la Première Guerre mondiale, métamorphosé le pays, l'armorique rongée par l'émigration, la tuberculose, la mortalité infantile, la sous-alimentation et l'alcoolisme, avec son pitoyable réseau de communication, ses richesses naturelles inexploitées, ses ports sans équipement, ses villages abandonnés, ses taudis, serait toujours avec l'Irlande et les Balkans ce qu'elle était au XIXe siècle pour la honte de l'Europe, une terre de paria sous les plis glorieux du drapeau tricolore. Mais ses œuvres agricoles, et ses conseils généraux, ses chambres de commerce ne peuvent pas tout. Quinze ans après sa victoire, elle est encore un pays sans animation propre, sans plan économique, sans groupement urbain de valeur, qui restent ignorants de l'épanouissement intellectuel et du, des progrès matériels auxquels ont pu atteindre, parce qu'elles étaient maîtresses de leur destinée, tant de petites nations comme la Suisse, la Norvège, le Danemark ou encore le Luxembourg. Elle reste une terre que chaque année vingt mille de ses enfants doivent abandonner pour vivre, et l'on assiste à ce spectacle paradoxal d'un peuple dont l'importance numérique fléchit tous les ans, malgré une magnifique fécondité. L'État breton Nous estimons que la servitude de la Bretagne a trop duré et son abaissement nous est insupportable. Nous ne pouvons pas l'abandonner plus longtemps à l'autorité d'un régime usurpateur, incapable et sans conscience. Nous devons lui restituer le pouvoir législatif, la disposition de ses ressources financières, nous devons lui rendre l'État. Savoir si cet État doit être complètement indépendant, s'il doit rester attaché dans une certaine mesure à la France ou adhérer à un autre système politique, est une question d'opportunité qui n'a rien à voir avec le principe du gouvernement de la Bretagne par les Bretons, qui lui ne supporte aucune restriction tant qu'il restera valable pour d'autres nations qui n'ont ni l'importance, ni le passé, ni les titres de la Bretagne. Quel que soit également le mode de gouvernement du futur État breton, république démocratique ou socialiste, dictature fasciste ou militaire, monarchie absolue ou parlementaire, le problème du relèvement de la race et de la mise en valeur du pays ne s'en posera pas moins de la même façon devant lui. Quel que soit encore le type de l'économie, libre ou dirigée, complexe ou spécialisée, vers lequel un gouvernement avisé orientera notre pays pour l'intégrer avec sécurité dans la réorganisation mondiale des échanges, il n'en sera pas moins obligé de mettre sur pied un plan ou un programme national répondant aux possibilités bretonnes. Il devra doter notre territoire d'une administration adaptée à ses divisions géographiques naturelles et à ses usages, ainsi que de l'outillage moderne et des grands organismes corporatifs qui lui manquent. Là cependant ne se bornerait pas sa tâche. Afin que l'effort du gouvernement breton profite à notre peuple et non pas à une nouvelle armée d'exploiteurs, il faudra que la mise en valeur de leur sol soit l'œuvre des Bretons. Ce point de vue donne une importance particulière au problème du relèvement de la race. Pour la rendre capable d'affronter la vie moderne victorieusement, c'est toute une œuvre d'éducation nationale à mettre sur pied, les ravages de 50 ans, maintenant 150 ans, d'école primaire française à réparer. Cette œuvre s'attacherait à développer les qualités natives, l'amour-propre et la confiance en soi, à faire adopter les méthodes modernes du travail et à améliorer le niveau des connaissances professionnelles. L'État aura encore pour tâche de réhabiliter, de restaurer et de rendre à l'usage public, au prix des sacrifices nécessaires, notre langue nationale, ravalée par la France au rang d'un patois indigne d'enseignement, ainsi que de stimuler la renaissance sur des bases nationales d'un art, d'une littérature et d'une vie collective complète et attrayante. Ainsi renaîtra le génie celtique, délivré du mensonge français revivifié par la fréquentation directe des autres peuples. Aucune réforme venant de l'État français, même dans l'hypothèse gratuite où celui-ci songerait à donner un remède à nos maux, n'aurait l'ampleur ni surtout l'inspiration capable d'opérer le relèvement de la Bretagne. Sans la loi, sans les finances, nous ne pouvons pas faire grand-chose, tant l'État moderne est devenu envahissant, mais il est clair que sans un réveil de l'âme nationale, nous pouvons moins encore. Pour être efficace, les réformes que nous réclamons ne doivent pas venir de l'extérieur, elles doivent répondre à une animation personnelle du peuple breton, pensant et légiférant pour son propre compte. Le veto français La réalisation de l'autonomie bretonne qui suppose le retrait de l'ensemble législatif et administratif français rencontre une opposition de principe, celle du principal intéressé, l'État français. Tout le génie politique de la France et surtout de la France héritière de l'idéologie jacobine se révolte à l'idée d'une résistance locale à la loi commune. Tout le sentiment français s'indigne du refus d'une partie de la population de prendre part à la communion des fidèles de l'idée de patrie divinisée. On se heurte à un mur, le dogme sacro-saint de la France une et indivisible, qui regarde la décentralisation comme une imprudence et rejette le fédéralisme comme une impiété. La centralisation est devenue partie intégrante de l'État français. Depuis la monarchie absolue, depuis la Révolution et l'Empire, l'État français a suivi une très constante politique d'unification et d'absorption des éléments hétérogènes. Les gouvernements qui se succédèrent par la suite n'eurent qu'à laisser agir le poids formidable de l'administration centralisée dont ils avaient hérité pour que l'unification des peuples de France tende à se réaliser. On conçoit l'impossibilité qu'il y ait à espérer que l'État français consente de gaieté de cœur à rompre avec cette politique plusieurs fois centenaire. Il a trop conscience que la France réside plus dans la forme commune qu'un État fort a donné à ses éléments constitutifs que dans la réalité des races diverses qui n'ont fait la France qu'en s'oubliant elles-mêmes et qui sont restées pures à la périphérie. Et son gouvernement parlementaire. Tire trop davantage d'une centralisation qui fait du moindre fonctionnaire un agent électoral pour renoncer à une seule de ses prérogatives sur le simple énoncé des droits de la Bretagne ou de l'intérêt bien compris de la France. Le régime ne fera aucune concession. Férocement soutenu par l'immense clientèle des profiteurs de la République des camarades qui défend son pain en le défendant, il luttera jusqu'au bout par tous les moyens. La politique nationaliste. A ses débuts, le mouvement breton fit l'essai d'une politique de conciliation. Les régionalistes n'attaquèrent pas l'État de front. Mettant tout leur espoir en sa paternelle bienveillance, ils prirent soin de ne pas alarmer sa religion. Ils s'abstinrent de tout effort sérieux en vue du réveil du sentiment breton, et affirmèrent, au contraire, un nationalisme français délirant. Ils imaginaient qu'une politique de soumission filiale, de flatterie, de gage et qu'une argumentation purement sentimentale arracherait au gouvernement des concessions qui leur serviraient de base pour de nouvelles séries de vœux et de suppliques. Cette erreur fondamentale de pensée politique, ce machiavélisme enfantin sacrifice du but, le réveil de la Bretagne au moyen de l'atteindre, remporta le succès mérité. L'idée régionaliste ne recueillit jamais dans le peuple que l'indifférence ou la risée, sans parler des réactions plus vives suscitées par ses compromissions avec la droite. Quant à l'État, voyant qu'il n'avait devant lui que des faibles, plus faibles encore par leur caractère que par leur nombre, il n'a rien accordé, il a eu raison. On ne prête qu'aux riches et on ne cède qu'aux forts. Et le régionalisme breton, comme tous les organes inutiles, a cessé de jouer un rôle. Il est évident que seule une politique de force est capable de réduire l'opposition de l'État français, qu'il s'agisse des revendications régionalistes les plus pâles ou nationalistes les plus hardies. La réforme la plus minime ne pourra s'enlever que de hautes luttes. Si des divergences d'opinion peuvent exister parmi nous au sujet du statut politique qui convient à une Bretagne organisée, l'unanimité des avis doit se faire sur ce point. Une politique de force est aussi une politique de masse. Le peuple breton, pour bénéficier pleinement du réveil national, doit s'y sentir intéressé tout entier. Il doit être l'ouvrier de sa libération. Il puisera dans la lutte les qualités dont il aura besoin pour diriger ses destinées. Un nationalisme breton, qui n'entraînerait qu'une élite et laisserait le reste de la population indifférent ou hostile, quelle que soit la valeur de la minorité en mouvement, ne remplirait pas son rôle. Le principal objectif de l'action bretonne est donc de faire l'unanimité morale du peuple derrière la force organisée, numériquement séduite par nécessité, qui luttera en son nom, mais qui l'alimentera de ses deniers, qu'il soutiendra de son approbation et de sa solidarité. Les circonstances diront comment doit être comprise cette force, quel doit être le caractère de la lutte qu'elle engagera, et quels appuis elle aura intérêt à s'assurer. Nous souhaitons que le seul spectacle d'un peuple décidé et prêt à tout impose à nos adversaires le respect de la Bretagne s'organisant elle-même et à son heure en corps de nation. Politique de force, politique de sagesse. Nous n'avons pas oublié. Lors des luttes célèbres de nos États et de notre Parlement contre l'absolutisme royal français, ni les suppliques, ni les dons gratuits, ni aucun assentiment aux coûteuses fantaisies des souverains n'ont jamais valu à notre pays respect ou considération, mais aggravation d'impôts. Il suffisait en revanche que nos corps constitués entrent en opposition ouverte avec le pouvoir, que le peuple s'amassent dans les rues en proférant des menaces, que les châteaux s'animent de conciliabules mystérieux, pour que le pouvoir central revienne à composition, sans qu'il soit toujours besoin au peuple des villes de brûler les bureaux d'octroi, ni à celui des campagnes de brancher les agents du fisc. Il en est de même partout et toujours. Les ouvriers n'ont obtenu le droit syndical et le droit de grève, la limitation des heures de la journée et l'inspection du travail qu'au prix de luttes longues et tragiques. Les nationalités opprimées ne se sont libérées depuis le XIXe siècle qu'en opposant à leurs oppresseurs des mouvements nationaux décidés dont les victimes furent nombreuses. Il n'y aurait pas aujourd'hui de constitution égyptienne sans le nationalisme égyptien, d'indépendance turque sans le nationalisme turc, D'autonomie irlandaise sans le Sinn Féin. Il a fallu la menace d'un séparatisme flamand pour faire céder à Gand le gouvernement de Bruxelles, et celle d'un irrédentisme alsacien à Colmar pour faire reculer celui de Paris. Il serait étrange que la politique de la force s'appuyant sur le droit, qui réussit dans un temps où la Bretagne avait affaire à la nation la plus puissante de l'Europe, ne lui rapporte rien aujourd'hui, qu'il n'en est plus ainsi. Au-dessus des partis. Un peuple asservi a pour premier devoir de se libérer avant que de se livrer à des anticipations sur son avenir. La libération de la Bretagne requiert impérieusement la collaboration de tous les patriotes bretons sans distinction de nuance. Elle impose l'union sacrée. Pour cette raison, il est impossible au nationalisme breton qui doit unir de diviser en se ralliant à une formule étatique qui éloignerait immanquablement de lui une bonne partie des ouvriers de l'affranchissement national. Il est hors de doute que la Bretagne devra pour elle même accomplir la réforme de l'État démocratique et libéral qui se pose pour tout le monde européen, qu'elle devra elle aussi choisir entre Rome et Moscou, à moins qu'elle ne trouve une formule de la société et de l'État plus étroitement en rapport avec ses goûts et sa nature, rénovant l'ancienne société celtique. Du point de vue exclusivement national, on ne peut que se réjouir de voir les Bretons se préoccuper de ces questions et chercher les bases de la cité bretonne de demain, mais on doit déplorer que les questions sociales et religieuses qui les divisent soient portées sur le terrain public et dégénèrent en lutte fratricide qui les distrait de leur premier devoir, la délivrance du pays. Tous les Bretons, quelles que soient leurs opinions, sont les fils d'une même mère bafouée, les occupants d'un même sol délaissé, les victimes d'une même oppression. Ils doivent s'unir pour triompher. La question de régime ne se posera devant nous d'une façon inéluctable que le jour où nous devrons doter notre pays d'une constitution. D'ici là, le nationalisme ne peut, dans la gamme des partis et des tendances, qu'indiquer une inclinaison de principe pour le retour des peuples du Nord à leur tradition ethnique trop longtemps tenues en suspicion par la loi romaine, et un dégoût profond du cosmopolitisme douteux par lequel les puissances anonymes cherchent à étendre toujours davantage leur domination. Il ne peut pas non plus souscrire sans réserve à l'attitude et à l'idéologie pacifiste qui s'explique au sein de peuples satisfaits de leur sort, mais qui s'opposerait en Bretagne à l'éclosion de l'état d'esprit combatif qu'exigent les circonstances. Résolument hostile à la guerre impérialiste, il ne subordonne pas la libération de la Bretagne à l'emploi de moyens pacifiques. L'avenir de l'État breton. Quel que soit. Cependant, l'État breton de demain, il faut songer quelle sera son attitude vis-à-vis -vis de l'Europe et de la France. Il est un peu osé, quand on n'a pas fait choix d'un régime, quand on n'a pas marqué une préférence pour l'un des grands courants qui luttent par le monde pour la prédominance, quand on ignore tout des surprises du lendemain, de lier le principe de l'indépendance bretonne à une formule internationale quelconque. Mais il ne doit pas se laisser prendre au dépourvu. Il doit envisager des hypothèses différentes et offrir sa solution dans l'éventualité de la réalisation de chacune d'elles. Avec une France revenue à une plus honnête administration de la fortune publique, ayant renoncé sans arrière-pensée à sa politique séculaire d'assimilation vis-à-vis de nous-mêmes et à son ambition d'hégémonie, si fertile en conflit, vis-à-vis -vis des autres pays, l'association, l'alliance, l'amitié franco-bretonne présenterait des avantages certains. Avec une France continuant à s'enliser dans la gabegie parlementaire, plus soucieuse d'assurer des avantages aux profiteurs du régime que de résoudre les questions vitales, incapable de procéder pour son compte à la réforme de l'État et hostile à la réorganisation de l'Europe sur des bases justes et rationnelles, la séparation totale serait nécessaire. Enfin, dans une Europe remaniée et pacifiée par des liens fédéraux, la Bretagne devrait-elle hésiter à entrer dans un système qui ferait disparaître la formule du grand État centralisé ou tendant à la centralisation, ennemie des patries naturelles et qui assurerait sa sécurité Autant d'hypothèses de devenir français et européen, autant de perspectives d'avenir pour la Bretagne. Toutefois, si nous envisageons de composer harmonieusement le principe national avec d'autres forces qui lui paraissent antinomiques, c'est parce que la raison et l'intérêt ordonnent parfois des concessions. Nous ne voyons pas nécessairement le bien de la Bretagne dans la revendication systématique et aveugle d'une importance souveraine, même si celle-ci devrait entraîner pour elle un périlleux isolement militaire ou économique. Mais s'il nous advient de consentir à une limitation de la liberté de la Bretagne, ce sera encore pour son bien que nous le ferons. Il est un principe sur lequel nous ne céderons jamais, celui de notre droit à décider nous-mêmes de notre sort, autos, nomos, notre propre gouvernement. Un courant mondial. Le nationalisme breton Participe d'un vaste courant d'idées qui a déjà remanié la carte d'Europe et qui la modifiera encore. Le réveil des nationalités. La Bretagne renaîtra comme ont revécu les Slaves des Balkans et la Pologne, réduites hier encore à une outrageante servitude, comme la Bohême, l'Irlande, la Catalogne, rayées pendant des siècles de la carte du monde. Elle recouvrera son titre de nation comme la Hongrie et l'Italie, qui furent colonies autrichiennes, et la Norvège, colonie danoise. La Bretagne renaîtra parce que c'est dans l'ordre des choses. Le mouvement breton n'est pas isolé. Il bénéficie en France de l'appui de l'Alsace-Lorraine et des autres minorités nationales également intéressées à la défaite de l'État centralisateur. Il rencontre la sympathie, ou tout au moins l'honnête compréhension, des éléments jeunes débarrassés des parties prises historiques, qui d'un point de vue purement français rêvent d'une France fédéralisée, fraternelle à tous. D'une façon générale, il bénéficie du courant d'idées mondiales, en faveur d'un statut des minorités nationales et du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, car la question bretonne représente un des aspects de l'inadaptation des États modernes aux réalités ethniques et économiques. De nombreuses forces par le monde agissent dans un sens parallèle au sien et hâtent l'heure de son aboutissement. L'Irlande a entamé la lutte pour sa libération complète. L'Écosse et le pays de Galles revendiquent le statut des dominions. La Flandre et le Pays basque, aux frontières de la France, n'entreront en repos qu'une fois justice rendue à leurs revendications. Les francisans au Canada, les bourgs en Sud-Afrique, les croates en Yougoslavie, les galiciens en Espagne s'efforcent d'obtenir le respect de leurs droits. Dans toute l'Europe, les minorités nationales, allemands en Bohême, hongrois en Slovaquie, Ukrainiens en Pologne, Macédoniens en Serbie, combattent pour leur langue et leur nationalité. Ce n'est pas tout. Des États, et non des moindres, ont montré le chemin. Les États-Unis d'Amérique, l'Helvétie, l'Allemagne, conservent jalousement leur statut fédéral auquel la jeune Autriche s'est ralliée. Et l'immense URSS est allée dans cette voie jusqu'à donner l'autonomie ou l'indépendance à toutes ces minorités nationales. Dans l'ordre nouveau qui rétablira la liberté vraie, par le monde, la nation bretonne aura sa place au soleil. Notre mission. Il y va d'un intérêt plus large que le nôtre que la Bretagne ne disparaisse pas. Il y va de l'intérêt de la civilisation. Ce n'est pas à une époque où le monde, envahi par un machinisme abrutissant, ruiné par le déchaînement d'appétits égoïstes, asservi par l'argent, aspire à un redressement moral, qu'il convient de tarir l'une des dernières sources de spiritualité en Europe. On ne niera pas que la Bretagne porte encore en elle au XXe siècle un goût de l'idée pure, une puissance de dévouement à un idéal désintéressé, un respect de la personne humaine et de ses prérogatives essentielles, un détachement des aventures mercantiles, un amour passionné de la justice, que proclame tout son passé et toute son activité sociale. C'est la marque de son génie, la substance de ses grands écrivains, de ses héros, la Bretagne doit pouvoir parler au monde et faire entendre les accents qui lui sont propres après avoir été mise en mesure de s'exprimer librement. Elle constitue un capital spirituel qui doit être préservé et qui doit fructifier. Appendice. Appendice 1. Langue bretonne. La langue bretonne n'a rien de commun avec le français. Il suffit pour s'en convaincre d'examiner quelques-unes de ses particularités. Le genre comme le nombre s'indique principalement en breton par le changement de la lettre initiale du mot. Par exemple, en daol, la table de taol féminin, contre en taol, le cou, de taol, qui est un nom masculin. On dit aussi Edad, son père à lui, de Tad, père, et Izad, son père à elle, etc. D'un autre côté, l'ordre des mots dans la phrase n'est pas fixe comme en français, il varie suivant l'idée exprimée. On met de préférence au début de la phrase le mot sur lequel on veut appuyer, sinon le verbe. Il existe en outre en breton tout un jeu de modes verbaux, de préfixes et de suffixes, de prépositions, qui donnent à la langue une richesse et une souplesse inconnues en français. Il dort peut se traduire en breton de trois façons différentes, exprimant trois nuances distinctes. Cousquette à rat aimant au cousquette, un à gousque. Course s'exprimera de cinq manières. Rête, la course en général, Redek, le courir, rederez part de la course, Redaden, une course, un parcours déterminé, Redadek, une course collective, une compétition. Un exemple de l'emploi des prépositions. La seule préposition française A, peut se rendre en breton suivant le sens de onze façons différentes. Ainsi, j'aimerais à demander de l'argent à agent, à voix haute, pour aller travailler à Rennes. Je l'ai attrapé à la dérobée, au vol, au fusil, appuyé à la haie. Il va à Paris à pied, il est au lit. Se traduit par Caroute à rafen Goulen argant Argante, Digante, Yann, avoué UL, et vite monde à la bourrate et roison, mais à me d'Apet d'appet d'Iwarnige, l'air, gant er furnil, ouz arleuse, aimant vonda da barize, war droide, aimant e et ouélé. Appendice 2. La frontière bretonne. L'existence à l'intérieur des frontières bretonnes d'une vaste population de langue française, et dont les mœurs se rapprochent de celles des Français de l'Ouest, donc il s'agit là des populations de langue galaisante, dit gallo, est souvent invoquée à titre d'argument contre la réalité de l'unité bretonne et même contre celle de la nationalité bretonne. Il convient de réfuter cet argument fallacieux. Une nationalité n'est pas nécessairement un ensemble linguistique. Si l'usage d'une même langue suffisait pour déterminer les limites d'une nation, il n'y aurait ni États-Unis, ni dominion britannique, il n'y aurait pas de Suisse où l'on parle quatre langues, et le drapeau tricolore flotterait à Québec. Il n'y aurait plus d'Irlande depuis que l'anglais a supplanté le gaélique dans presque toute l'île. D'ailleurs, il est erroné de considérer la Haute-Bretagne comme un pays étranger à la langue bretonne. Pendant cinq siècles, la langue bretonne a régné en maîtresse à l'ouest d'une ligne que l'on peut tracer du Couënon à Donge sur la Loire, en passant par Hédé, Mordel, Messac et Blain. À l'est de cette ligne, les colonies bretonnes étaient nombreuses, et l'on entendait le breton aux confins de l'Anjou, à Clisson et à Pimbœuf. Cette infusion bretonne a laissé de nombreuses traces, tant dans les noms de lieux que dans les noms de personnes, malgré l'intensive francisation qui sévit dans ces domaines depuis huit siècles. Au hasard de la carte, on lit Pinbœuf, penbo, Le Croisic, Redon, Rayon, Rguéméné, Penfao, Plélan, Ploélan, Saint-Brieux, Saint-Broladre, Saint brauladre Ploubalais, Trégué, Landéan, Landavran, Plerguer, plouarker, etc. Au hasard des registres paroissiaux des pays de la Rance, des bords de la Loire ou du Rest, amont Even, Servan, Serwan, Salut, Salou, belen, mingui, Mengi, men rueland ou rialand, riwaland ou riwalen, nourri, joukwan, guernigonde, juel, guinguené, riou, le UED, maheu, mordrel, gouin, guenewe, gueneeg, Kerroir, Keroise, billy, guimaru, eri, jégu, tangui, tual, etc. A trouver ces noms encore si nombreux, on peut juger du rôle rempli par le breton dans la constitution de la Haute-Bretagne. Actuellement, et le présent nous importe plus que le passé, on peut constater que la Haute-Bretagne s'adonne au réveil linguistique celtique avec autant d'ardeur que le pays bretonnant. Déjà, la langue bretonne est d'un usage répandu au sein de l'élite bretonne, sans distinction d'origine géographique. La Bretagne n'est donc pas en fait aussi scindée au point de vue linguistique qu'on veut bien le dire. Le breton déborde en Haute-Bretagne, comme d'ailleurs le français s'est depuis longtemps solidement implanté en Basse-Bretagne. Mais cette unité est encore plus grande sous le rapport des mœurs. Les modes de vie qui conditionnent la plupart des usages et coutumes d'un pays sont sensiblement les mêmes dans toute la Bretagne. Sous un même ciel, les mêmes cultures viennent dans un même sol autour d'habitations également disséminées. Les mêmes proverbes, les mêmes légendes meublent l'imagination des deux fractions de notre peuple. Mais il serait faux de penser que la Haute-Bretagne se rapproche nécessairement de la France là où elle s'éloigne de la Basse. Entre les Celtes purs de l'Ouest et les Français de l'Est, elle constitue un tout bien distinct, ayant sa physionomie propre. On ne l'a jamais assez dit. Son patois n'est pas le patois normand qui tient du picard, ni le vendéen qui se rattache au parler saintongeois. Son architecture et son art paysan ont leurs marques particulières. Son génie et sa chose à côté d'une Normandie et d'un Poitou qu'elle n'aime pas. Et en face d'un bas maine exsangue et pétrifié, elle figure un peuple hardi et fort. Là où l'unité de la Bretagne est évidente, c'est par l'esprit public. Il y a une manière de voir et de sentir bretonne. Il y a une solidarité bretonne mûrie par douze siècles d'histoire commune. Rien ne pourra détruire ni même modifier ça. L'affaiblissement des caractéristiques bretonnes de l'ouest à l'est n'a pas de signification particulière. Elle trouve son pendant dans l'affaiblissement des caractéristiques normandes de Cherbourg à Pont-Orson, des caractéristiques flamandes de Ypres à Boulogne, des caractéristiques méditerranéennes d'Avignon à Lyon. Toutes les nations se compénètrent sur leur pourtour par des dégradés ethniques. Mais il est pourtant une frontière bien tranchée, la frontière du cœur, celle que trace avec une impressionnante rigueur le long des limites historiques, au travers de la langue française et en dépit des liens économiques, la naissance brusque du sentiment national breton. Sur toute l'étendue du territoire breton, on est conscient et fier d'être breton. On franchit un fossé moral en passant les limites de la Loire inférieure ou de l'île-et-vilaine. La Bretagne est formellement délimitée par le sentiment qu'elle a d'elle-même. On peut même dire que les communes bretonnes contiguës à la frontière politique sont celles où l'on entendra le plus souvent désigner la province voisine et ses habitants du nom de la France et les Français. Il est également significatif de constater que la Haute-Bretagne a fourni sans doute les patriotes bretons les plus marquants, ainsi que quelques-uns des interprètes les plus illustres du génie national, comme Théodore de la Ville Marquet ou encore Frances de Beauvais. Et dans le mouvement breton, depuis 30 ans, elle n'a pas joué un rôle effacé. L'unité bretonne est donc une réalité. Avec nos deux populations, nous formons à côté de la France de l'Ouest, orientée vers le continent, un petit monde à part tourné vers l'océan. La ligne de démarcation entre ces deux pôles d'attraction séculaires, Paris, la mer, s'identifie avec la frontière traditionnelle du duché de Bretagne. Cette... Annexe a été publié dans Breisatau en 1929. Appendice 3. L'ancien gouvernement et la race. Si nos anciens gouvernants bretons ont toujours veillé à nos intérêts économiques, qui furent essentiellement liés à notre expansion maritime et à l'exploitation industrielle des produits naturels de notre sol, il semble qu'ils ne se soient jamais assez souciés du patrimoine spirituel de notre nationalité. Le gouvernement ducal et l'administration de la province n'ont jamais combattu la langue bretonne. Ils l'ont même plutôt favorisée en accordant des subventions à la publication de dictionnaires celtiques ou en plaçant le bas breton sur le même pied que le français à la tribune des États. Mais à aucune époque, du Xe au XVIIIe siècle, ceux qui avaient à charge les affaires de la Bretagne ne prirent à cœur de résister à la pénétration de la langue et des usages français, de la culture latine. Ils n'eurent pas l'idée d'organiser l'enseignement de la langue nationale. Cela tient peut-être à l'influence de l'Église romaine, qui jusqu'à l'époque moderne négligea les langues vulgaires et déteint le monopole de l'enseignement. L'heure aussi, sans doute, n'était pas encore venue pour les petites cultures de se dresser en face de l'universalisme latin. Quoi qu'il en soit, en devenant française par la langue et les conceptions politico philosophiques, l'élite de la Bretagne préparait, sans le savoir, dès les premiers siècles du Moyen Âge, le tombeau de l'indépendance. Appendice IV. La Décadence Bretonne Autrefois jaloux de son indépendance, Entreprenant, énergique, patriote, le peuple breton a perdu son ressort. Il se soumet docilement à une administration étrangère qui n'a pour lui aucun égard et il ne songe à en discuter ni les injonctions ni les prérogatives. Il a admis comme une chose naturelle, ce qu'aucun peuple ne tolère plus aujourd'hui, que sa langue soit condamnée à s'abattardir et à disparaître par son exclusion de l'école et que son usage public soit rendu impossible. Il est devenu incapable de s'émouvoir des injustices dont il est victime. En dehors d'une minorité, heureusement de plus en plus importante qui, elle, réagit avec vigueur, il s'est habitué au sort qui lui est fait. On l'a même vu pousser la lâcheté jusqu'à regarder avec suspicion ceux qui l'invitent à se faire respecter. Ce peuple, dont les Français disaient au duc François II, après un contact un peu rude avec les Nantais, quel sanglier que vos bretons n'est plus qu'une masse invertébrée, passive, domestiquée. Ayant perdu la conscience des intérêts généraux de son pays, il est retourné à une barbarie véritable, dont les seuls soucis sont d'ordre matériel, local, immédiat. Il y a 500 ans, les troupes bretonnes entraient à Paris, conquérantes, derrière Jean V, bannières déployées. Aujourd'hui, les Mao y débarquent hésitants, miséreux, moralement désarmés, émigrants sans métier, vaincus d'avance, qui vont pourvoir la capitale française des manœuvres dont elle a besoin pour peupler ses taudis. Il n'y a plus de vies intellectuelles ou artistiques bretonnes, seulement des efforts de patronage ou de petits cénacles littéraires à la traîne de Paris. La langue bretonne à l'état pur semble presque artificielle au peuple, qui ne lit pas et parle une poussière de dialectes tous également corrompus. Le sentiment breton, chez la plupart, n'est qu'un niais engouement pour le pittoresque touristique de certains cantons ou une sentimentalité romantique étrangère aux traditions bretonnes. Le peuple désorienté par la débretonisation intensive qu'il subit du fait de l'État français perd les forces morales de ses pères et ne les remplace par rien. À Paris, le département qui fournit à la criminalité le plus fort contingent est le Finistère, alors que le Finistère, dans l'échelle des départements français, est sous ce rapport l'un des plus faiblement représentés. On peut ajouter un fait analogue l'effrayante proportion des femmes originaires de Bretagne sur les registres spéciaux de la police. D'un autre côté, la bourgeoisie a été rendue si étrangère au pays par une formation scolaire semblable en tout point à celle que reçoivent les jeunes champenois ou gascons, qu'elle ne joue d'autre rôle que celui d'auxiliaire bénévole de l'impérialisme français. Les résultats de l'amoindrissement moral du peuple breton sont considérables du point de vue économique, Élevé dans l'ignorance de tout ce qui le touche et le culte de la France, il se désintéresse des entreprises bretonnes et son regard est tourné vers Paris. Derrière ces sujets d'élite qui, depuis le XVIIIe siècle, émigrent en foule, ces capitaux désertent le pays. D'après Breizatao, 1929. Appendice 5. La Bretagne à l'abandon. La Bretagne, terre de marins et de paysans, n'a pas reçu de la France le développement maritime et agricole auquel la nature le prédestinait. Ses ports de commerce et ses ports de pêche, à part qu'aéroman, sont à l'abandon et les subsides qu'ils reçoivent de temps à autre n'offrent qu'un intérêt électoral. Sa navigation au cabotage et au bornage est sciemment écrasée par les tarifs préférentiels accordés par les chemins de fer et les transports sur routes subventionnées. Sa population côtière est toujours soumise à l'archaïque servitude de l'inscription maritime, et son armement paralysé par des lois datant de Colbert. Les problèmes agricoles ne reçoivent non plus aucune solution. Rien n'a été ni n'est fait pour arrêter le déboisement et reboiser, pour organiser le défrichement, améliorer l'habitation paysanne, à laquelle la loi loucheur est inapplicable, donner aux fermes les chemins d'accès, la force et la lumière, aux villages le service d'eau et l'hygiène, Promulguer les lois agraires demandées par l'unanimité des fermiers. La Bretagne est aussi une terre de tourisme. Qu'a-t-on fait pour protéger ses beautés naturelles quand ses plus beaux sites sont livrés à la rage des lotisseurs ou à la barbarie des commerçants-bâtisseurs Les chemins de fer ont été faits en Bretagne non pour le service du pays, mais pour réunir directement à Paris les principales villes. Il en résulte que nos meilleures régions de production agricole ou maritime ne disposent pour diriger vers l'intérieur des produits aussi périssables que le chou-fleur, la fraise ou la sardine fraîche, que des lignes secondaires ou des voies étroites nécessitant des transbordements. Tout le centre, représentant un tiers de notre territoire, ne dispose pas d'un mètre de voie normale en dehors de la ligne Saint-Brieuc-Auray, que les arrêts forcés à Pontivy rendent impraticables aux voyageurs pour évacuer son bétail et importer matériaux de construction et engrais. Mais la France n'a ménagé ni son temps, ni son argent, ni sa peine pour faire des Bretons des renégats à leur langue et des électeurs dociles au gouvernement. Appendice 6. La Bretagne et le monde Si l'on veut faire du bon travail pour la Bretagne, on doit d'abord retrouver l'esprit breton authentique. Les bretons l'ont-ils Ils sont élevés pour la plupart d'entre eux dans des écoles françaises, souvent aux côtés de Français selon des méthodes françaises. Ils sont instruits en français sur toutes les choses qu'ils apprennent. Et ce qu'ils savent le mieux concerne la France, littérature française, histoire et géographie de la France. Leurs maîtres n'ont eu qu'un seul désir, qu'un seul but, en faire des Français. Et une fois sortis de l'école, que lisent-ils sinon des livres et des journaux français Qu'entendent-ils sinon des discours et des pièces de théâtre françaises Des choses françaises et rien d'autre. De telle sorte qu'ils deviennent tous, même quand ce sont des bons bretons, malgré eux souvent, sans le savoir encore plus souvent, des Français jusqu'aux moelles, car leur tête est française. Et alors voici la grande faute que l'on fait. Croire qu'il suffit de tourner le dos à la France, qu'il suffit de dire je suis breton pour être libre. Il est facile de montrer combien l'empreinte étrangère est restée forte jusque sur ceux d'entre nous qui ont lutté pour réveiller l'esprit breton. Regardez notre littérature et tout ce qu'elle a emprunté à la littérature française. Regardez notre prosodie calquée sur la prosodie française, notre théâtre conçu d'après les exemples français. Partout, et en tout, jusque dans notre orthographe, on trouve la marque de la France. La vérité est que nous avons en Bretagne, du moins pour l'instant, plus à défaire qu'à faire, plus à détruire qu'à créer, et en répandant un enseignement nouveau, nous devons en même temps combattre l'ancien, sans quoi nous s'aimerions sur un buisson d'épines, dans l'attente d'une moisson abondante. Extirper l'esprit français, toute la question est là pour nous. Il est clair que ce n'est pas en nous seuls que nous trouverons de quoi le faire. Nous retourner vers le passé breton, vers la langue et l'histoire de Bretagne, c'est une partie de notre travail. La partie la plus importante sans doute, mais une partie seulement. Le passé de notre pays, bien qu'il soit une source de richesse et de beauté sans égale pour notre esprit, un gouvernail pour suivre la route de notre avenir ne suffit pas pour nous sauver de l'assimilation. C'est quand ils eurent compris cela dès le début que certains bretons du temps de la ville marquée tournèrent leurs regards vers nos frères d'outre mer, la première tentative pour s'affranchir de l'esprit français, le premier pas vers la libération. Mais ce n'était pas la libération. Et quand l'Irlande, la Bretagne et la Cambrie parviendraient en conjuguant leurs efforts à faire naître une nouvelle civilisation celtique, plus large, plus riche que celle qui naîtrait de l'héritage d'un seul de ces pays, elle ne serait ni assez large, ni assez riche pour tenir tête à la civilisation française. La force nécessaire, nous ne la trouverons ni en Bretagne, ni dans les autres pays celtiques, mais dans les autres pays du monde. De même que pour les choses de l'âme, nous avons besoin de l'aide de toute l'humanité, nous avons besoin du monde entier pour les choses de l'esprit. La loi de l'offre et de la demande relie entre eux tous les peuples de la Terre. En consultant l'histoire, nous voyons qu'aucune civilisation n'a grandi sans les contributions des autres civilisations. Les Grecs ont emprunté aux peuples anciens de l'Asie, les Romains aux Grecs et les vieux Celtes eux-mêmes à leurs voisins. Et aujourd'hui les nations de l'Europe, grandes et petites, n'ont pas cessé de s'alimenter de la nourriture intellectuelle l'une de l'autre, ni de celle des autres peuples du monde, si bien que l'on peut dire sans emprunt de l'étranger, pas de vie nationale. Extrait de Roparzemon, Er Breizad or Art Kavut Breiz. Appendice 7. Déclaration gouvernementale. En décembre 1924, M. Herriot déclare à la Chambre Conserver à l'Alsace et à la Lorraine un statut spécial serait contraire d'abord au principe d'unité qui, pendant des siècles, a été la base de notre politique. La France n'est pas comme l'Empire allemand une confédération, et elle ne saurait tolérer que l'une ou l'autre partie de son territoire eût des lois spéciales et sa propre organisation administrative. En février 1923, M. Poincaré refusait pour la même raison le maintien des zones franches de Savoie. Les Savoyards sont français, c'est donc qu'ils se soumettent aux lois françaises. Un référendum serait inconstitutionnel. Le Parlement et le Parlement seul détient la souveraineté nationale. Aucun fragment de pays ne peut réclamer une part quelconque du pouvoir législatif. En juillet 1925, dans son discours du pavillon breton à l'exposition des arts décoratifs, M. de Monzy déclarait Pour l'unité linguistique de la France, la langue bretonne doit disparaître. Le 9 octobre 1932, M. Herriot disait à Kemps, en Alsace, Jamais au cours de leur histoire, nos provinces de l'Est n'ont été considérées par la France comme distinctes des autres provinces. Jamais elles n'ont été rattachées au reste de la patrie par un lien fédéral. Dépositaire du patrimoine matériel et moral dont il est comptable envers les générations futures, le gouvernement ne tolérera jamais qu'une atteinte, si légère qu'elle soit, Puisse être porté à l'unité et à l'indivisibilité de la République et de la France. On voit la rigoureuse continuité de la politique impérialiste française. Appendix 8. La synthèse du Marweiler. Ce texte a été rédigé il y a maintenant un siècle. Pourtant, à l'exception de quelques détails historiques enracinés dans leur temps, il est très largement, voire quasi totalement d'actualité encore aujourd'hui. Il a le mérite de répondre à toutes les questions, toutes les objections et toutes les remarques qui sont faites au nationalisme breton. Ainsi, l'annexe 2, pour l'exemple, est une réponse éclatante aux gallomaniaques moderne qui prétendent promouvoir le, leur patois comme euh, l'une des deux langues de Bretagne grâce à ce texte encore on comprend pourquoi le régionalisme est une posture non seulement dépassée, mais inutile. De même, ce texte répond aussi au pourquoi de la nécessité d'une posture antagoniste vis-à-vis -vis de l'État français et de la France en général, malheureusement, jusqu'au moment au moins de la libération. Il rappelle que la libération de notre pays est une priorité et que la forme de gouvernement que prendra notre pays une fois indépendant est un combat de second temps. Il ouvre les bras à toutes les obédiences politiques dès lors que celles-ci sont acquises à la cause du nationalisme breton. Autrement dit, que vous soyez socialiste, que vous soyez libéral ou que vous soyez monarchiste, dès lors que vous êtes breton, de droite comme de gauche, avec des gros guillemets, puisqu'on sait qu'il s'agit de distinctions de français, de droite comme de gauche, donc, vous êtes invités à vous joindre à la cause nationale et nationaliste bretonne. Et cela rejoint d'ailleurs l'attitude du Parti national breton, qui est ni droite ni gauche. C'est en cela que nous sommes, en fait, les héritiers du Parti national breton du de l'entre-deux guerres et de la Seconde Guerre mondiale, hein, de l'EMSAO de la première moitié du XXe siècle, c'est que nous portons le même schéma doctrinal qu'eux, dans ce qui a été évidemment exposé ici. C'est pourquoi ce texte est d'une importance capitale pour le nationalisme breton, pour tous les nationalistes bretons. Qu'il est d'une importance capitale que vous lisiez, connaissiez et intégriez ce texte, quelles que soient vos attitudes politiques, parce que, ultimement, ce texte peut parler à tout le monde. Même un gauchiste breton, qui aura le courage de remettre en cause ses préjugés concernant le nationalisme, y trouvera son compte, puisque ce texte lui parle aussi. Il est voulu pour être adressé à tous les Bretons, indépendamment de leur obédience. C'est pourquoi, s'il si est un seul texte qui doit être absolument lu, partagé, une seule de mes vidéos que vous devez absolument lire, partager ou mettre en avant, c'est celle-là. C'est celle-là la plus importante parce qu'elle est absolument fondatrice de toute notre réflexion, de toute notre pensée idéologique, de tout ce que nous sommes et de tout ce en quoi nous croyons. Tout est rassemblé dans ce court texte. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Comme toujours, je souhaite que cette lecture vous ait plu. N'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner pour plus de lectures et de causeries, sachant que le portage des moisarvroides arrivera bientôt sur cette chaîne. Promis dès que j'aurai le temps de les faire. Mais j'insiste pour ce texte particulièrement qui est essentiel, qui est important, qui est fondateur. D'ailleurs c'est celui que je mettrai en avant sur la chaîne. Euh, Partagez-le vraiment, écoutez-le, retenez-le. Il est absolument essentiel et je n'insisterai jamais assez dessus. Parce que c'est sur ces textes, sur cet ensemble de convictions. Que le PNB moderne, à l'image du PNB historique, se bat pour la restauration d'une Bretagne indépendante et unifiée. Le but auquel nous aspirons, que nous espérons, que tout, auquel tous les Bretons adhéreront un jour, quelles que soient leurs obédiences politiques, leur bord politique, si j'ose dire, donc qui est, sans équivoque possible, une Bretagne forte, fière et libre, Bevet braise, Breza